Cruchon. Et délicat. Les voici, les voilà. Cruchon. Et délicat. Je viens de voir Grugeot sortir de chez l'épicier et je sens, avec mon nose de chat, que quelque chose va se passer. Oh! Mais que veux-tu aller, Jean? Oh! C'est délicat. Je parie qu'il va tomber. Je le savais, je le savais. Regardez bien, il va sortir de l'eau par sa bouche. Je le savais. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment il fait. Bonjour, délicat. Oh, mais c'est toi qui me parles? Mais oui, délicat, parce que je suis toi. Que c'est bête, c'est moi. Mais voilà, Grugeot. Et je vous le dis en vérité, il est de très, 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 très mauvaise humeur. Grugeot est embêté, alors. Délicat, c'est un truc, je vais lui faire de la peine. Délicat, délicat, regarde, dans mon porte-monnaie. Il n'y a plus de sous. Voilà, délicat, il n'y a plus de sous. Et tu sais pourquoi il n'y a plus de sous, délicat? Parce que la saucisse coûte trop cher. Alors, non seulement, délicat, nous ne pourrons pas prendre de vacances l'été prochain, mais encore, nous ne pourrons plus manger de saucisses. C'est la dernière. Plus de saucisses.
pauvre petit délicat, tout petit, tout petit. C'était ma joie, mon seul désir, de les frotter, et puis de les sentir, de les mâcher, et puis de les engloutir, dans mon ventre plein de plaisir. Oh, saucisse, saucisse, pourquoi toi tu fais ça à moi? Pourquoi toi tu fais ça à moi? Oh, saucisse, saucisse, sans toi moi je ne suis plus moi. Sans toi moi je ne suis plus moi. Réfléchissons, délicat. Oui, Grigio, réfléchissons. Grigio, je ne pourrai plus manger de saucisse avec Grigio. Grigio vient de le dire, flûte. C'est comme l'œuf de frise, Coq-Colomb. Grigio, on va prendre une saucisse, on va prendre la saucisse, Grigio, on va la planter dans la terre, Grigio, et puis la saucisse, ça va pousser, Grigio, et puis ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de saucisses, Grigio. Jamais des saucisses, chut, délicat, c'est une excellente idée. Va chercher de la terre, délicat. Oui. J'ai dit à la brodage, hein, Grigio. Mais oui, si tu as bougé ton oreille. La brodage. Jamais des saucisses. Chut, nous aurions dû y penser plus tôt. Grigio, vous allez faire pousser des saucisses? Tiens, bonjour, chatonne. Comme dirait chez Tommy l'Écossais, ciel de cornemuse dans toute l'Écosse entière, on n'aura jamais vu cela. Nous allons planter la saucisse dans la terre. Aïe, 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 aïe. Salut, mon ami. Salut, mon ami. Aïe, 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 aïe. Délicat, il faut semer la saucisse si nous voulons la manger demain. Oh, excuse-moi, chatonne, il faut que j'aille semer la saucisse, chatonne. Vous êtes toutes excusées, j'ai le chien. Chercher de l'eau. Oui, Grigio. Tiens, Grigio. Merci, délicat. Attention, délicat. Moi, si j'étais vous, je mettrais la saucisse dans un petit pain. J'ajouterai de la relish et de la moutarde et je vendrai des hot dogs et je ferai beaucoup de sous. Chut, c'est vrai. Des hot dogs. Nous mangerons de la saucisse qui sera à nous, délicat, et nous vendrons des hot dogs qui pousseront dans le jardin. Nous aurons des tonnes de sous, délicat. Oh, oui, c'est pas un chat qui croirait ça. Chatonne, c'est une excellente idée. Mais non, Grigio. J'ai pas dit, c'est comme l'œuf de frise, Coq-Colomb. Oh, délicat, je te prie de m'excuser, c'est une part de mon erreur. Oubliez, c'est une excellente idée, chatonne, s'il vous plaît. Voilà, je l'oublie. Parfait. Et sûr. La petite saucisse au fond de la terre va pousser très haut dans les airs et nous donner des petits frères. Beaucoup plus que moi, je l'espère. Petite saucisse, pousse, pousse. Toi, ma belle et ma toute douce. Aïe, aïe, Grigio, moi, j'ai la frousse. Il faut qu'elle pousse, il faut qu'elle pousse. Alors moi, j'aurais tout vu. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces chiens mordus. Mettez aussi des oignons crus, les dogs se vendront bien plus. Hot dog, relish, moutarde d'oignon, c'est pas cher, c'est pour rien. Hot dog, relish, moutarde d'oignon, mange, ça fait du bien.
mal, Grégion. Va chercher de la moutarde et de la rouliche, t'es dit. Oui, Grégion. J'y pense. Pourquoi vous ne semez pas aussi une patate frite? Ça se vend très bien, les hot dogs, avec les patates frites. Jut, c'est vrai. Apporte aussi une patate frite, Delica. Oui, Grégion. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme argent? Ces jeunes chiens. Vite, Jut. Oui, Grégion. Le pain. Oui, Grégion. Moutarde. Relish. Oignon cru. Patate frite. Chut. Je pense que je vais l'arroser encore un petit peu. Oui, Grégion. Attention. Juste un petit peu, hein. Nous allons attendre ici, Delica. Moi, je peux aller parler avec Chaton. Oui, Delica, je t'appellerai si ça bouge. Oui, Grégion. Cornemuse, visualisez et dites-moi ce que vous en pensez sur le cornemuse du ciel. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le dessin d'un kiosque à thé. Un quoi? Un kiosque. Un petit restaurant outside. How do you say outside in French now? Let's see. Oh, pardon. Comment dites-vous outside en français? Outside. En français. Outside, outside. Oh, extérieur, c'est un petit restaurant extérieur pour vendre le thé. Alors, voilà, ce sont là les théières. Il y a les petites tasses, ici c'est le comptoir, et moi je serai ici. Cornemuse. Oh, zut, ça c'est drôle. Je vais vous raconter, je cherchais du bon thé, et si l'œil est bêté, qu'enfin j'ai constaté, que pour boire du bon thé, des sous il faut jeter. Du thé je veux tâter, oh quelle volupté. Petite et à titi, c'est ma spécialité. À ma personnalité, alors a inventé un restaurant à thé pour pouvoir vendre mon thé sur ma propriété. C'est ma spécialité. Du thé, je veux tâter, oh quelle volupté. Petite et à titi, c'est ma spécialité. Je suis tout agité, par la joie habitée. J'entends me répéter, Tommy, on veut goûter. Un peu de ton bon thé, c'est ta spécialité. Zut, tiens, t'as délicat. Tommy l'Écossais va construire un restaurant de thé comme nous, Quand un ciel, vous allez vendre du thé? Ah non, nous ce sera des hot dogs. Tenez, il y en a un qui pousse là. Ciel de cornemuse, que visualise-je? Un hot dog dans la terre? Oui, c'est nous qui l'avons semé, et demain il y en aura partout. Ciel de cornemuse, que l'Écosse entière disparaisse si je savais cela. Hello, chien Tommy l'Écossais. Oh, hello, chaton. Oh, how are you today? Fine, thank you. And you?
Thank you. Very well, very well, Chatham, very well. Vous allez vendre du thé? Du thé écossais, cornemuse. Vous devriez en vendre avec Grugeau. Du thé avec un hot dog, ça ferait chic and swell. Jute, c'est frais. Ciel cornemuse, il n'y a rien de plus véridique. Jute, nous allons construire le kiosque près de la niche à Tilika. Et moi, je vendrai le thé. Et nous, les hot dogs, Jute. Et moi, je nettoierai les hot dogs qui sortent de la terre avec une brosse. Oh non, avec un aspirateur. Aldol avec un aspirateur. Cornemuse, je visualise déjà le nom du restaurant. On l'appellera le roi du hot tea dog. Ou bien, chez les rois des chiens hot, on vend du tea dog hot. Mais ça, c'est un peu long, hein, délicat. Hot dog and a hot tea, c'est le tea à Tommy. C'est le tea à Tommy. C'est le tea à Tommy, avec ses germes en l'air. C'est le tea à Tommy. Du thé d'Écosse, I am the boss. Du thé d'Écosse, il est de votre lit. C'est hot dog show, c'est le chien chaud Grugeau. C'est le chien chaud Grugeau. C'est le chien chaud Grugeau qui est en terre, le bout en l'air. C'est le chien chaud Grugeau. Dur comme un os, rhinocéros. Dur comme un os, rhinocéros. Un hot dog gros comme ça, un hot dog délicat. Un hot dog délicat. Un hot dog délicat, de quoi être fier, la tête en l'air. Un hot dog délicat. Gros comme une bosse d'un gros colosse. Gros comme une bosse d'un gros colosse. Moi je ne sais pas si le hot dog and le tea. Le hot dog and le tea. Le hot dog and le tea sont populaires en ayant l'air. Le hot dog and le tea. De gros molosses en petits carrosses. De gros molosses en petits carrosses. Cornemuse, now, allons-tu chez moi chercher les planches pour construire le kiosque? Allons ici, Jute. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Eh oui, ma terre, elle n'est plus bonne. Et ma fleur, elle est morte. Elle est morte, ma fleur, elle est morte de peur. Avoir ça, pas l'air, elle est morte du cœur. Oh, quel grand malheur, une fleur de valeur. Elle est morte, ma fleur, comme dans du beurre. Je vous parie une soucoupe de lait que le chien sourdide va enterrer sa fleur dans la terre du hot dog. Tiens, il y en a justement ici de la terre. Eh bien. C'est curieux, ça, je l'avais jamais vu, moi, ce tas de terre-là. Enfin, je le savais. Je vais mettre la terre dans le pot. Ensuite, j'avais planté une autre fleur. Et puis, j'avais arrosé. Et le tout sera joué. Voilà. Je vous parie une autre soucoupe de lait. Voilà. Que Grugeau et Délicat ne seront pas contents. J'aimerais une autre fleur, je planterai, je mettrai de l'eau. Attention. Voilà les menuisiers qui ne savent pas ce que je sais. Alors, comment c'est ça? Cornemuse! Moi, pendant ce temps, je vais arroser le hot dog une autre fois. Oui, oh, le hot dog, je cache. Je donne ma langue au chien s'il ne crie pas au voleur. Au voleur! Nous étions fiers de ton union.
cornemuse. Visualisez un instant un hot dog avec du thé écossais. C'était une idée géniale, cornemuse. Non, je ne le dis pas. Monsieur, venez voir, c'est incroyable. Monsieur, monsieur, ah, vous êtes là. Voyez, voyez, c'est tout à fait incroyable. Regardez ce qui a poussé dans mon pot de fleurs. Un hot dog. Oui. J'ai mis de la nouvelle terre, j'ai semé une graine de fleurs, puis j'ai arrosé, puis voilà ce qui est sorti comme ça, le temps de le dire. Hein, c'est presque incroyable et ça ne s'est jamais vu. Oui, un cruchon, un dog. Monsieur de cornemuse, que les cossantiens disparaissent aussi, j'ai jamais vu cela. Mais comment vous avez fait? Mais non, je ne l'ai pas fait, il a poussé. Dans le pot? Avec de l'eau, oui, mes chiens, c'est incroyable. Mais remarquez, j'ai eu une idée géniale, j'ai eu une idée géniale. Je vais construire un restaurant pour vendre des hot dogs. Ça ne se sera jamais vu, vous allez voir. Et mes chiens, vous travaillerez tous au restaurant. Oui, on n'aura jamais vu ça. Hot dog relish with a d'oignon, c'est pas cher, c'est pour rien. Hot dog relish with a d'oignon, manger, ça fait du bien. Manger, ça fait du bien. Hot dog relish with a d'oignon, qui veut manger pour rien. Hot dog relish with a d'oignon, attendez, ça sent bien. Il ouvre mon bataille. Attendez, ça sent bien. Hot dog relish with a d'oignon, c'est pas cher, c'est pour rien. Hot dog relish with a d'oignon, manger, ça fait du bien. Manger, ça fait du bien. C'est peut-être vrai que les hot dogs, ça pousse. Manger, ça fait du bien. Hot dog relish with a d'oignon, c'est pas cher, c'est pour rien. Hot dog relish with a d'oignon, manger, ça fait du bien.